Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Allez, je partage aujourd'hui le message dans votre habitat. Et on va voir le message que je peux partager avec vous. Je vais prendre avant un message carte avec ce magnifique oracle. J'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va, je tenais à vous remercier pour votre présence. Merci pour tous vos jolis commentaires, pour votre écoute, pour tout. Allez, on y va, c'est parti. Donc, c'est du général, hein. Vous faites bien preuve de discernement. On va les zoomer donc. Zoomer pour une personne dans sa situation santé bien-être de son habitat. Alors comme je dis de son habitat, ça peut être aussi si vous avez une entreprise, un établissement, ça peut être on peut atterrir chez vous. Si vous avez une piscine, on peut atterrir dans votre piscine, on peut atterrir dans votre garage, à la ferme, à la montagne, à la campagne, à la ville, voilà, à l'étranger, voilà. On verra. On va voir. Alors, ici, dans votre habitat, il y a quelque chose qui vous perturbe pour moi les émotions, et quelque chose qui vous glace. Il y a peut-être une maison qui est froide. Ça peut être une maison, un habitat où il y a une perte énergétique. Je vois une perte énergétique au niveau peut-être du froid. Du chaud, du froid, il y a beaucoup. Ça peut être lié à une porte d'entrée dans votre habitat, une porte. Ça peut être aussi une porte, vos fenêtres. En tout cas, il y a quelque chose. La chaleur et le froid. La chaleur sort et le froid rentre en trop grande quantité. Pour moi, il y a un déséquilibre lié à tout cela. Mais je vois quelque chose qui va se remettre en équilibre lié à tout cela. Vous allez vous sentir. Là, vous avez un mal-être chez vous. Peut-être que vous avez vraiment trop froid, c'est possible. Je vois un coup de chance qui arrive à vous, qui va vous faire plaisir. Il y a un. Vous voyez, chaud-froid. Hein. Donc là, il y a quelque chose, il y a une amélioration dans votre habitat. D'accord? Il peut y avoir quelque chose qui va vous faire plaisir durant cet été, durant ce printemps. Il y a un coup de chance. Ouais, vous allez fêter quelque chose pour moi. Quelque chose d'inattendu. Et pour moi, ce coup de chance inattendu qui arrive vers vous, c'est une somme d'argent. Ça peut être ces prochains jours. C'est pour pouvoir rénover. 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 Remettre. Pour qu'il y ait plus de chaud à l'intérieur de chez vous. Moins de froid. Un équilibre à chaud-froid. C'est thermique pour moi. Il y a quelque chose. Donc comme je vous dis, là, moi je vois une arrivée inattendue, financière, un coup de chance que vous allez fêter, qui va vous faire plaisir et qui va vous soulager. C'est quelque chose d'inattendu. Vous allez pouvoir rénover, faire une rénovation inattendue. Parce que je vois ça peut être une femme, 30 ans et plus en fait. Vous avez pas, vous allez réussir, vous n'avez pas pour moi le financier pour. Vous pouvez être avec un jeune homme ou alors c'est votre frère, quelqu'un de votre famille ou votre fils. D'accord? 30 ans et plus, 18 et 30. Vous voyez, il y a une perte d'argent, mais espérez, restez dans l'espérance parce que je vois l'administratif, ce que vous allez préparer, vous allez faire de l'administratif, soyez dans l'espérance. Là, il y a une perte. Vous n'avez pas. Ouais, il n'y a pas l'argent, mais pour moi, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Donc, il y a une transformation de votre situation et ça peut être urgent aussi. Hein. On ne trouve pas pour moi. Ça peut être urgent, hein. Très urgent pour moi. Ok. Bien. Alors, je partage. Donc, on me parle aujourd'hui. Je vois une mauvaise qualité. Je vois une mauvaise qualité dans un chantier. Je vois une mauvaise qualité pour moi de tout. Une mauvaise qualité de tous les matériaux utilisés dans ce chantier qui est pour moi actuellement, c'est en cours, c'est un chantier qui est en cours.
Il y a un chantier qui est en cours, donc ça peut être un chantier, bah, tout type de chantier parce que c'est du général, d'accord? Donc là, j'ai un chantier pour moi, en fait, je vois la mauvaise qualité. Mauvaise qualité de tous les matériaux. Alors, je vois, il va y avoir de la malfaçon, tout va être mal façonné, il y a une malfaçon, une malfaçon. Et aussi une mauvaise qualité. Je vois que c'est un chantier qui est en cours. Je vois qu'il va y avoir un arrêt de ce contrat. Donc vous avez un contrat avec, vous pouvez être un établissement, une entreprise. En tout cas, il y a un contrat. Donc je vois l'arrêt. L'arrêt de ce contrat. Vous allez en prendre un autre. Un autre. Vous allez ouvrir un autre contrat beaucoup plus sûr hein, pour vous. Pour lier aussi voilà, au chantier que vous voulez réaliser, continuer à réaliser. Pour que la qualité soit là aussi. Hein. Quelque chose de plus sûr. Et qui sera aussi à la hauteur, bah, à la hauteur du chantier. Sans malfaçon et de bonne qualité. Voilà. Voilà ce que j'avais pour aujourd'hui. C'était un réel plaisir pour moi. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des likes si vous. Des likes. À vous abonner si c'est toujours pas fait, que vous désirez le faire. Je vous souhaite un merveilleux mercredi. Je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances, messages, etc. etc. À très très vite.